Bonjour à tous, ici c'est Vanessa. On est aujourd'hui le samedi 6 juin. On va faire un unboxing. J'ai reçu hier mes diamond painting. J'ai ouvert parce que j'étais curieuse. Donc ce sont mes gorgeous. J'ai 3 paquets mais je vais en ouvrir que 2 parce que le troisième c'est pour le défi qu'on a avec Karine. Donc je ne le ferai pas voir. Ça sera la surprise. Je vais faire une vidéo, mais j'attendrai qu'elle reçoive et comme ça vous aurez la valido après. Alors on va commencer. Celui-ci, moi de l'autre côté. Alors c'est des toiles en 30-40. Ce modèle-ci. C'est des persos. Je les ai commandés chez Huacan. Je les ai commandés au mois de mai. Ils ont mis un mois et demi, j'ai reçu mi-mai. Désolée pour le bruit. J'espère que je parle un peu plus fort. Parce qu'on m'a dit que je parlais pas assez fort dans ma précédente vidéo. Alors, je vais rester dans le champ. Chercher. Un petit scalpel. Alors, on va pousser ça. Je vais essayer d'enlever le scotch. On met toujours du scotch jaune là, tout pas beau. Hop. Il est un peu froissé sur les côtés. Mais bon, je pense que ça va pas gêner. Ils mettent toujours une petite mousse. Alors, je vais me lever. Ça sera plus simple. Les symboles, ça a l'air nickel. On voit super bien. Alors, on va faire comme ça. Voilà. On va faire. Un col super bien, vous voyez, j'espère que vous voyez bien.
Alors, c'est une toile en 30-40 en diamant carré. Moi, de toute façon, je ne fais que des carrés. Numéro, c'est le 9954, c'est celui-ci. On va déposer les diamants, on les reçoit dans les petits sachets, déjà tout prêt. Alors, le toolkit, également, j'en ai deux, parce que j'avais deux toiles. Alors, on a, avec Huacan, on a la grosse coupelle. Une grosse coupelle comme ceci. Moi j'aime bien m'en servir quand j'ai des grosses zones de diamants, comme ça je peux en mettre plus. Des pains de colle, le stylet avec les bouts mousse et les deux embouts que je me sers jamais. Et la petite pince que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai commencé à apprendre à mettre mes diamants avec la pince. Je trouve que ça va bien avec que le stylet. Bon, je ne suis pas encore très très douée, mais ça va venir. Merci à Estelle d'ailleurs. Je peux pas, j'ai des long painting sur YouTube qui m'a dit mais vas-y, essaye, persiste. Hein. Donc voilà. Donc là, je vous quitte. Bon, je vais vous faire voir les diamants. Je suis désolée pour le bruit. C'est vrai que le sachet, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, beaucoup de noir. 4944. Il a l'air bien. Je vois pas trop de déchets. Je vais vous faire voir vraiment les couleurs. Ça, c'est du gris. J'espère que vous voyez bien. Je m'approche un peu plus peut-être. Ah, ce vert est joli. Il n'y a pas beaucoup, mais il est joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, il a 34 couleurs. Donc, je vais vous faire voir le deuxième. On va poser celui-ci. Je vais mettre ça là. J'attends toujours ma toile du défi, la Gorgeous avec le livre, j'ai toujours pas. Alors, on passe à la deuxième. J'ai commandé celle-ci. C'est grâce à Hélène et le Diamond Painting. J'ai beaucoup aimé, donc je m'en suis commandé aussi. En 30x40 également, et elle a 34 couleurs. Je suis désolée pour le bruit, j'aurais dû ouvrir avant peut-être. J'attendais d'autres choses, mais le facteur, je ne l'ai pas vu ce matin. Donc ça sera sûrement pour lundi. Je vais me remettre de loin, ça sera plus simple. J'espère que je suis toujours dans le champ, comme vous voyez bien. Toujours avec la mousse. Un peu abîmée aussi sur les côtés. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez ici, là, c'est tout froissé. Mais bon, c'est pas gênant, ça ne touche pas la toile. Et comme disait Angélique, les symboles, c'est en portrait et les symboles sont marqués en paysage. Maintenant, ma toile est comme ça et les symboles sont écrits comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que certaines personnes, ça peut... C'est vrai que c'est un petit peu bête. Mais c'est que chez Huacan parce que j'en ai commandé ailleurs et... J'ai d'autres vendeurs et elles étaient super belles. J'espère que vous voyez bien. Je vais
pas ouvert les quatre coins là. C'est bien fait. Vous voyez bien la petite fille avec ses petites fleurs en forme de cœur. Très jolie. Avec beaucoup de rouge. Très froissé, hein. Vous voyez ici, regardez ici, mais bon, la toile n'est pas touchée. J'en mettrai bien après directement. Je vais vous faire voir les diamants, toujours en diamant carré. Moi, je vous dis. Depuis que j'ai découvert les diamants carrés, je ne fais que ça. J'aime que les diamants carrés. À part quand on fait des choses, des petites pochettes ou des carnets ou des marque-pages. C'est des diamants ronds en général spéciaux. Excusez-moi pour le bruit. Alors là, on a une toute autre couleur. Il y a du rose. Du rouge. Les diamants ont l'air bien taillés. Du bleu. 34 couleurs également. Je crois que je n'ai pas de noir. Non, je n'ai pas de noir sur celle-là. Mais je dois bien avoir du 939. Oui, 939. Il est là. J'en ai pas beaucoup. Ça va. Du vieux rose. Couleur un peu saumon. Celle-ci. Voilà. Alors je les ai commandés. J'ai mon petit cahier. Je les ai commandés le 14 mai et je les ai reçus hier. On était le 5 juin. Vous voyez, je note tout aussi. Quand c'est coloré en. C'est que c'est, je les ai reçus. Donc j'en ai encore à recevoir. Et je comprends pas, celle-là je les ai eues et j'en ai d'autres que j'attends depuis le mois de mars et je les arrive, je les ai toujours pas. Mais bon, j'ai fait deux litiges, ils m'ont remboursé parce que j'en avais marre d'attendre, ça faisait 2 mois et demi. Donc ils ont pas fait d'histoire, c'était Huacan, les deux. Ils ont bien voulu, ils ont pas cherché, ils ont dit oh, on vous rembourse. Et en 48 heures, j'ai l'argent sur mon compte. Alors j'en ai reçu une autre. Oui, c'est toujours une 30 par 40, toujours chez le vendeur Huacan. Alors, on a toujours le même toolkit avec la petite pince qui va bien, le stylet, le pain de colle et la grosse coupelle. Comme je disais, chez Huacan, c'est toujours la grosse coupelle. Donc, j'ai choisi ce modèle-ci. La petite fille bleue avec ses petits papiers. Ces petits paquets cadeaux. Tout le monde me tente sur avec toutes ces gorgeuses là. Bon, j'attends toujours celle du défi. J'espère qu'elle va pas tarder à arriver parce que je sais pas si elle va commencer. Mais j'ai vu que certaines filles l'avaient reçu, que d'autres non, que d'autres n'étaient même pas encore parties. Moi, il est en France, mais toujours pas. Je me le demande si des fois le site ça marque bien exactement où se trouve le colis, parce que j'ai l'impression que des fois ils disent que c'est en France et que c'est pas en France, quoi. Ou alors c'est expédié ou alors que c'est arrivé dans notre expédition locale alors que pas du tout. J'enlève le petit scotch. Je vais mettre toujours le petit scotch. Alors on va mettre ça là. On va essayer toujours
avec la petite mousse. J'ai jamais demandé de grandes toiles chez Huacan. Je ne sais pas comment ils les envoient. Les grandes, s'ils envoient par boîte ou je ne sais pas. Ah bah si. La toile que j'ai faite, c'était dans une boîte. Parce que je fais une toile défi aussi. Je ne peux pas vous la montrer. Elle est bientôt terminée. Sur le groupe avec Chiara. Et là, je vais faire un swap avec Karine. Karine est passion d'épée, il me semble. Donc j'ai hâte, on va se l'envoyer. Elle a dû me l'envoyer hier, moi je l'envoie lundi parce que ma poste était fermée aujourd'hui. Nous sommes samedi 6 et c'était fermé. Il est prêt, il est là, il n'y a plus qu'à envoyer. Alors, voilà. Ce bleu magnifique. Je vais me régaler à les faire. Je suis tombée amoureuse de ces petites filles là. Elles sont toutes jolies les unes que les autres. Alors. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous la mettre comme ceci. Voilà. Les symboles sont... Il n'y a rien à dire. Parce que je ne vous ai pas fait voir. Regardez. Elles sont toutes super bien imprimées. Comme je vous disais déjà dans mes... d'autres vidéos, moi je me sers que de ma lampe LED avec une loupe, je me sers pas de ma tablette et j'arrive très très bien comme ça parce que j'ai fait une toile il y a quelques temps pour ma fille, c'était des renards, je me rappelle plus le nom du vendeur, mais la toile, pff, une galère à faire. On ne voyait pas les symboles, c'était les couleurs étaient mélangées, les symboles mélangés, tout est, la couleur se ressemblait. C'était une horreur. Et dès que j'ai pris ma lampe LED avec la loupe, ça a été tout seul. Bon, on va regarder les diamants. Toujours toile carrée, toujours avec des petits sachets zip. Excusez-moi encore pour les loups. Chez Huacan, je pense que c'est tout en sachet zip. Hein. Alors, oulala, ce bleu, regardez-moi ça comme c'est beau. Vous voyez comme c'est beau. J'espère que je parle un peu plus fort à ce vert. Faut savoir que moi je suis amoureuse du vert, j'adore le vert. Bleu, je sais pas si vous allez bien voir, du jaune, et il y a 35 couleurs sur celle-là, et il y a, ah si, il y a les 310, j'allais dire il n'y en a pas, si, et il est là. Bon, les diamants, ils ont l'air bien taillés. On verra bien comment on les pose. Je vous ferai ça en vidéo, de toute façon. Bon, bah voilà. Le petit unboxing est terminé. Je pense que je vous en ferai d'autres dans la semaine. Parce que j'attends 2-3 petites choses encore qui vont pas tarder à arriver. Et je vous tourne juste après. On va continuer ensemble la rose. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit pouce bleu, à dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.